Bienvenue aujourd'hui pour parler des maracas. Les maracas, ce sont ces percussions que l'on aime secouer pour accompagner les chansons. Ces percussions qui nous permettent de faire des rythmes en les secouant. Très souvent, ce sont des fruits à coque que l'on a vidés et à l'intérieur desquels on a mis des petites graines, à l'intérieur desquels on a mis du gravier, des coquillages, des haricots séchés. Et en les secouant, ça donne un son très agréable à écouter. Des maracas, il en existe différentes formes. Il y a celles-ci, les cachacas, qui nous viennent du Sénégal et que l'on trouve jusqu'au Japon. Mais il y a également les maracas juste sous forme d'œuf, sous forme de cachichi, simplement des fruits que l'on a séchés. Et la maracas, telle qu'on connaît sa forme partout aujourd'hui, avec un manche pour la tenir. Celle qui a donné son nom à la maraca. Maraca qui signifie dans une langue amérindienne musique. Ces maracas, qui doivent dater de la préhistoire, on les trouve partout autour du monde désormais. C'est avec celle-ci que l'on peut accompagner de nombreuses chansons, rythmées ou non. Et aussi parfois des histoires. Sur les rives du fleuve Sénégal existe un tout petit village dans lequel habitent trois frères un peu surprenants. Il y a grosse tête, gros ventre et petite tête. Ces trois-là sont très gourmands et ils adorent toutes les sucreries. Si bien que dès qu'ils vont à l'école sur le chemin, ils ne peuvent s'empêcher de manger tous les fruits qu'ils voient à leur portée. Un printemps, ils ont commencé à dévorer tous les fruits qu'il y avait dans les arbres. Si bien qu'à l'été, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus rien pour satisfaire leur gourmandise. Ils ont cherché partout dans le village, mais il n'y avait plus aucun fruit. Alors ils sont sortis du village, et là, en pleine brousse, ils l'ont vu. Un manguier magnifique, avec des fruits colorés qui sentaient bon. Mais comment faire pour grimper là-haut, chercher ces fruits? Les branches étaient trop hautes. Grosse tête a dit, moi je veux bien y aller, mais je ne passerai pas ma tête entre les branches. Gros ventre a dit, moi je veux bien y aller, mais mon ventre ne permet pas d'accrocher le tronc. Et Petite Tête a dit, non, moi je suis trop timide, je ne veux pas y aller. Et c'est Grosse Tête qui a eu l'idée pour attraper les fruits. Elle a dit, Gros Ventre, tu vas t'allonger sous la branche, sous cette branche, sur laquelle il y a de nombreuses mangues. Moi je vais courir, sauter sur ton ventre, m'en servir comme d'un trampoline, et sauter dans les airs pour attraper tout ce que je pourrais attraper. Pour attraper toutes les belles mangues sucrées. Sitôt dit, sitôt fait. Gros ventre s'est installé sous la branche. Grosse tête a pris son élan, a couru tant et tant qu'il a fini par arriver. Il a sauté sur gros ventre et il s'est envolé si haut dans les airs que sa tête a éclaté. Gros ventre, sous l'impact, n'a pas résisté et son gros ventre a éclaté également. Petite tête, voyant tout ça, est rentrée en courant au village. « Maman, 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 grosse tête, gros ventre, ils sont morts, ils ont éclaté !» Sa mère l'a regardée, lui a dit « Mais c'est vrai ce que tu me dis là ?»
petite tête a dit oui, mais sa tête était si chargée d'émotions qu'elle est tombée et s'est mise à rouler, rouler, rouler. Et mon histoire est terminée. Oko le oko, mama kole oko. Oko le oko, mama kole oko. Oko le oko, mama kole oko. Oko le oko, mama kole oko.